He's in a great spot. He's in a perfect spot. Yes, his massive head has blocked everything. That was a huge play, but we have seen none of it. Finney, he's done it. Always on the move? You can keep up to date with Ulti TV on all of our social media channels. Like, follow, subscribe, share us with a friend, or send us a message just to say hey. Thank you for supporting us in our mission to grow Ultimate Everywhere. Que c'est dans ma tête, mais c'est ses jambes. Ah ouais, les duels. Good. So it's now. Again? Bonjour, bienvenue à nouveau à Wrocław pour cette fois-ci la finale des championnats du monde Open qui vont donc opposer la France et les États-Unis. Donc Ludo au commentaire avec Yaya qui va se présenter. Bonjour à tous, comme Ludo, nous retrouvons donc sur ce championnat du monde la France qui se retrouve en finale contre les États-Unis. J'ai pu les suivre tout au long de cette semaine, j'ai pu commenter. Sur Facebook leur match. Ils se sont déjà affrontés en power pool, c'était en pool, et c'est les USA qui l'ont remporté 15-7. Les Français qui eux vont vouloir leur revanche, ça va être compliqué, des Américains qui sont très forts, très bons, mais les Français je pense peuvent les titiller et les faire douter à un moment donné dans le match. Et qui sait, peut-être passer devant. Alors on n'a pas du tout les mêmes conditions qu'hier, pour l'instant il n'y a pas de vent. Par contre c'est très très humide, le sol risque d'être glissant parce qu'il a plu cette nuit. Et on n'attend pas beaucoup de soleil aujourd'hui, on en sera plutôt sous la pluie. Donc peut-être que les conditions vont jouer aussi un petit peu sur le match. Il faut préciser que les Américains ont largement dominé la compétition pour l'instant. Et même contre nous, le premier match, bon,
C'était 15-8, je crois, hier. 15-7. Mais les Français étaient à perdre 8-6 à la mi-temps. Voilà, y a une... vous allez voir, le... tout turnover va être sanctionné fortement par les Américains. Donc à nous de ne pas perdre les frisbees, être suffisamment patient et confiant pour oser aussi les choses au moment opportun. On va vous présenter les différents joueurs là, de l'équipe. Donc on va commencer dans l'ordre alphabétique. Vas-y Yaya, je t'en prie. Et donc, ton club. Donc pour le premier joueur, numéro 69, Amen Benamar, qui vient du Sen. Ensuite, on a pour les RFO, Iban Bouvard. On aura ensuite le numéro 29, Melvin Brichet, qui est UPA, anciennement FU. Matteo Brochot, à nouveau des FU, donc Fristois. Alors, qui normalement aurait dû avoir le numéro 79, mais là qui aura le numéro 23, petit problème de maillot. On se retrouvera ensuite avec Milad Chintron pour le numéro 61, des ouf. Un petit bonjour à Cédric. Hein. Ensuite, on a Léo Chéré de Dijoncté. Encore un petit bonjour à Bruno et Laetitia de Dijon. Numéro 7. Ensuite, on aura numéro 10, Thomas Chevauché des RFO. Toujours chez les RFO, nous aurons numéro 12, Matteo Coutinho. Joseph Delachat des F5. Ah, et le match est lancé. Les Américains qui passent à l'attaque, on continuera la présentation juste après. Là, sur cette ligne, nos Français qui, sur la défense, proposent une zone contre les Américains avec un premier rideau à 3. Le disque des Américains, toujours dans les mains des Américains. Là, les Français sont repassés en individuel avec une force middle, je pense. Attention au gelon, Quentin. Voilà, bien switché. Vous avez vu à l'écran, les joueurs français ont changé de joueur parce qu'il y avait une forte menace en longue. Donc les Français sont bien adaptés en défense. À nouveau, le gelon est proposé, mais il n'est pas servi. Les Américains qui pour le moment font circuler le disque entre les handlers. Ils cherchent une solution devant, mais pour le moment, ils ne la trouvent pas. Et c'est droppé. Turnover. Allez, il faut en profiter. On vous a dit, les conditions sont vraiment humides. Le disque va être glissant toute la partie. Donc là, c'est Melvin Brichet qui récupère le disque. Numéro 29, comme vous ne voulez pas. Il redonne à Melvin Schmidt, numéro 21, sur Hugo Herbin. Là, c'est la ligne de handler qu'on a vu pendant défensive, hein, qu'on a vu pendant tout le tournoi. Et c'est un upside sur Quentin. Et c'est défendu. C'est défendu par l'Américain, le numéro 1. Ah, Quentin était au duel, ils sont tous les deux pratiquement à la même hauteur. C'est dommage. Melvin aurait pu mettre le disque un peu plus à l'extérieur, ça aurait été plus simple pour Quentin de le rattraper. Et on continue sur une défense individuelle. Force middle. Attention au break. Voilà, donc les Français qui veulent ramener toujours vers le milieu du terrain le disque. Melvin Brichet sur le porteur du disque. Les Américains, et qui redrop. Il redrop. On vous l'a dit, hein, le disque est vraiment glissant, il faut essayer de profiter rapidement. Passe pour Quentin Péchard qui est devant la zone. Quentin Péchard qui cherche une solution devant. Il la trouve pour le moment, il cherche un soutien, il va retrouver Melvin Schmidt. Melvin Schmidt qui va retrouver Hugo Herbin. Hugo pour Melvin Schmidt et point. Ah, pic appelé. On espère le revoir au ralenti parce que ça va repartir à 1. Et c'est Hugo qui va reprendre le disque. Hugo Herbin avec le disque qui va retrouver Malu Schmidt et c'est le point. Point pour les Français qui débutent très très bien ce match. Melvin Schmidt. On est entouré par le staff français, Ludo Péchard, s'occupe des buissons, vous allez le voir arriver avec son petit sac vert. Il n'a pas vu le point malheureusement. Donc voilà. Mais un début de match parfait des Français. Un très bon début de match des Français qui profitent tout de suite des erreurs américaines. Ils ont réussi à bien ralentir le jeu par la zone au départ. Les Américains n'ont pas osé prendre de risques et jouer long. Donc on les a
bien mis dans leur terrain. Et puis, comme on vous l'a dit, le disque est glissant. Donc, évidemment, plus on multiplie les passes, plus il y a de risques. Et on a su profiter de la deuxième phase des Américains. Et donc, les Français qui vont repartir en défense sur ce match. 1-0 pour la France. Les Français qui mènent, donc, contre les Américains. On peut s'arrêter là. Je crois qu'on peut demander à la fin du match. Allez, je pense qu'on va à nouveau reproposer une zone, au moins pour casser leur play. Cette fois, vous retrouverez sur la ligne française Keïs Maté, Arthur Arbreto, Clément Priou. Je ne vois pour le moment pas les autres. Si Quentin Péchard est encore sur la ligne. On joue en deux lignes hein, normalement. Il y a, vous allez, a deux, vous allez lignes. Voir, deux lignes normalement. Tout au long. Et là, le disque est lancé. Donc les Américains qui se retrouvent devant leur zone. Donc les Français qui reproposent une zone, mais les Américains qui trouvent tout de suite de la longueur cette fois sur la zone française. Voilà, on a réussi à contenir, ralentir le prix. Et non, les Américains qui arrivent à passer dans le trou. Du premier rideau, ça passe par au-dessus. Là, les Américains qui attaquent très bien leur zone. Un peu plus de prise de risque dans les OC, mais pour l'instant, c'est positif. Transition, on est passé en individuel. Force middle, attention, là, ça va dérouler côté américain. Et point pour les Américains. Les Américains qui ont très bien déroulé leur jeu sur cette phase d'attaque. Ils ont réussi à trouver les trous dans la zone française. Ah, notre premier rideau était pas très compact et surtout au second rideau on était beaucoup trop loin, beaucoup trop d'espace. Donc les passes étaient réalisables, il n'y a pas de vent, il y a uniquement de l'humidité, pas de vent. Donc passer au-dessus du rideau là pour eux c'était beaucoup trop simple, on était trop loin sur le second rideau de nos joueurs là. Et puis après ça a enchaîné très rapidement en défense individuelle. On revoit au ralenti là, on était trop loin pour s'opposer. Et donc les Américains qui punissent ça, donc très bien joué pour les Américains qui vont passer en défense cette fois sur ce match. Donc c'est le premier point, on va se retrouver en attaque. On va voir quelles solutions vont nous proposer les Américains en défense. Défense de zone ou défense individuelle. Et là, sur cette ligne d'attaque, nous retrouverons notre trio RFO, Arthur Arbreto, Keïs Maté, Matteo Coutinho, mais accompagné de Malvin Schmidt, Joseph Delacha, Enzo Stangenek et Léo Chéret. On va voir si cette ligne va pouvoir faire douter aussi ces Américains aussi en attaque. Donc c'est parti, le poulet lancé par les Américains, il est très haut, il est planant, il va... arrivé sur Malvin Schmidt qui catch. Les Américains qui proposent donc une zone. C'est avec premier rideau à 3 et j'ai l'impression de l'indiv derrière. Voilà. Et j'ai l'impression que Keïs Maté est pris en individuel sur cette zone. Ouais, c'est tout à fait ça, ouais. Ouais, Keïs est pris en indiv. Ah, voilà. Et la longue est lancée alors qu'elle avait été touchée. C'est Arthur. Non, c'est Arthur Arbreto qui le catch pour Enzo Stangenek. Très beau point des Français qui ont su profiter que Arthur se retrouve tout seul en longue. C'est bien joué, il faut oser. Hein. Évidemment, les conditions sont pas compliquées par rapport au vent, il y a juste de l'humidité. Donc. Si les Américains nous proposent une zone très compacte, en plus en prenant quelqu'un d'indiv, ils perdent 4 joueurs sur l'avant du terrain. Il faut oser utiliser la profondeur et toute la longueur du terrain, ce qu'a formidablement fait Malvin. Super lancé sur Arthur. Vous voyez, Arthur, il avait pratiquement 20 mètres d'avance. Le catch était relativement simple finalement. Et puis ensuite, trop facile pour conclure. Exactement. 2-1, on est devant. 2-1, on est devant. Les Français sont devant sur cette finale contre les États-Unis. La clé, là, si on continue à nous proposer une zone, c'est vraiment utiliser toute la longueur du terrain et puis oser passer par-dessus, oser lancer long. Exactement, pas se restreindre à faire des passes sur la largeur. Au bout d'un moment, on va se fatiguer et puis les Américains vont en profiter et nous mettre la pression. Les Français, là, ont su très bien le faire.
Donc on espère que ça va continuer. Mais maintenant, les Français qui vont passer en défense. Malvin Schmitt qui va lancer le pool, qui a été quasiment le pooleur de l'équipe de France sur toute cette semaine. Magnifique, là, le pool, il est très haut, très planant. Les Français ont le temps d'avancer un maximum sur le terrain. Et on propose une défense individuelle. Force side, ça ramène vers le côté droit du terrain. C'est lancé long pour les Américains. Les Américains qui se retrouvent tout de suite devant la zone française. Et ça joue très vite. Et les Américains qui marquent le point. Très propre du côté américain, du jeu à l'américaine, j'ai envie de dire. Ouais, ils utilisent la profondeur du terrain. Et puis avec leur précision technique, c'est difficile de contenir tout ça. Peut-être que la zone sera une solution pour ralentir le jeu et provoquer, multiplier le nombre de passes et éventuellement peut-être provoquer des erreurs de leur part. On le sait, hein, lors du premier match, les Américains ils ont dû faire 3 turnovers dans toute la partie, je crois, 3 ou 4. Oui, donc, voilà. Très peu de turnovers avaient eu lieu sur le match États-Unis-France. On espère qu'il y en aura beaucoup plus sur ce match et que les Français arriveront à concrétiser les erreurs américaines. Maintenant, on verra ce que nous proposent les coachs pour faire déjouer les Américains. Nos Français, là, qui vont passer à l'attaque. Avec une ligne sensiblement similaire à celle qu'il y a eu tout à l'heure. Est-ce que les Américains vont repartir sur une zone avec un joueur en indif sur Keïs ? Keïs Maté, qui a été repéré par toutes les équipes, hein, qui est la plaque tournante de cette équipe U20 avec Malvin Schmitt là en ligne. Deux joueurs qui ont permis d'obtenir, avec les autres évidemment, mais qui ont permis une belle assise en termes de handling. Oui, leurs coéquipiers qui ont entièrement confiance en ces deux joueurs et qui arrivent souvent à les retrouver au niveau du handling. Alors que là vous sentez le public américain qui commence à mettre un peu plus d'intensité et un peu plus de pression sur les Français. Ils doivent sentir que nos Français sont là pour les titiller cette fois et ils sont pas venus là pour juste les regarder jouer. Même méthode, là, on est passé en indif complète de la part des Américains sur une force middle visiblement. Donc là, les Français qui cherchent des solutions, pour le moment ça va sur Melvin Brichet, il arrive à retrouver Arthur Herbreto. Avec Léo Chéret, ça avance tranquillement du côté des Français. Sur Malvin Schmitt, on retrouve sur Arthur Herbreto. On est du côté gauche du terrain. Là, notre stack est un peu trop long, là, on utilise trop. Et le dive de Malvin Brichet pour marquer. C'est magnifique du côté français. Magnifique point des Français. Il y avait juste tactiquement un petit souci, là. Notre stack était beaucoup trop long. Et du coup, on monopolisait l'espace en zone. Il faudrait qu'on arrive à réduire un petit peu notre sac pour pouvoir jouer aussi dans la profondeur. Mais dive magnifique de Melvin. On peut revoir le ralenti. Et Arthur Herbreto avec le disque. Il regarde, il va trouver Malvin Schmitt devant dans le break. Et puis, ça lance tout de suite. Melvin Brichet a le temps de s'allonger. Et de bien glisser sur ce terrain. Bien glissant. Belle passe de Malvin parce qu'il lui met dans l'espace devant, mais elle est très flottante, donc il a le temps de se rattraper. On va finir quand même la liste de l'équipe, hein, parce qu'on a pas le temps de le faire. On s'était arrêté sur le numéro 6, Alexis Grosjean, qui joue chez les Frivoles. Hugo Herbin, des Magic Disc. On a le numéro 20, qui est Arthur Herbreto, que vous avez pu voir, qui joue chez les RFO. Jules Lamar, numéro 5 de UPA. Un petit coucou à Pablo. Le 33, Aubin Laurent Beaulieu, qui joue chez Frisgo. Numéro 67, Célian Martin. Chez UPA encore. Le numéro 8, donc comme vous avez pu le voir, on en a parlé, Keïs Maté. Numéro 64, Alexandre Meneuz des Tchèques. Et puis un petit coucou à tous les Tchèques qui ont fait une belle performance au championnat du monde. Et puis à leur président Amaury. Et puis nous avons aussi le numéro 16 que vous avez pu voir, Quentin Péchard de chez les Frisgo. Numéro 9, Clément Priou des Frisgo également. Le numéro 21, vous l'avez vu aussi, c'est lui qui a fait l'assist, Malvin Schmitt des Frivoles. Et alors on finit avec le 17, Enzo Stanganek des Magic avec son frère Léo, un petit coucou également. Et je vais finir, les Jackson, Ismaël,
Vornosson avec son papa Bruno. On revient au jeu alors que Clément Priou a failli intercepter ce disque en l'air. Les Américains qui ont le disque, les Français qui proposent, après avoir proposé de la défense de zone, repassent en individuel. Ouh, alors que Quentin s'était allongé pour essayer d'intercepter le disque, mais ce n'est pas fait, le disque est en l'air, c'est le duel, et je crois que c'est défendu, yes. Le disque est tombé, turnover, ah non, la faute appelée de l'Américain, Quentin qui est resté au sol, ah, nous ne voyons pas le ralenti, je ne sais pas. Quentin Pêcheur apparemment s'est fait à la main. S'est fait mal à la main. Alors, on va revoir le ralenti. Passe très tranchante, Quentin qui vient ici. Qui... L'Américain était en train de catcher, il vient bousculer l'Américain au moment du catch. Je pense que la faute a bien lieu. On verra. Il pourrait même peut-être accorder le point, à mon sens. Ça discute entre l'Américain et Quentin Péchard. A priori, ce que raconte l'Américain, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il est en train d'évoquer. Tu peux donner point, Raph, je pense. Raph. Là, on est passé par-dessus. Ça, c'est la première action. On voit Quentin Béjar qui a essayé. Regardez, là, Quentin qui essaie de défendre. Et là, ça part en tranchante. On voit l'Américain qui va commencer à rattraper le bis. C'est Quentin qui lui rentre dedans. Alors, Est-ce que le drop est avant le contact ou après le contact? C'est la difficulté, mais je pense qu'on peut accorder le point en effet. Ouais. Non, la faute est contestée et quand ça reviendra au disque. Ouais. Enfin, ça reviendra aux Américains, le disque va revenir au. Alors, le jeu qui reprend, les Américains qui sont devant la zone française. Ah, une violation, les Français et les Américains, enfin, en tout cas, des joueurs n'étaient pas prêts au moment du check. Allez, on a une force side. Donc, une force vers le côté droit du terrain. Okay. C'est lancé, c'est bien joué par les Américains, c'est point, finalement. Petit give and go entrant dans le jeu ouvert. Simple, efficace, c'est tellement bien exécuté en termes de vitesse de course, vitesse d'exécution que les Français n'ont pas pu s'opposer. 3-3. 3 partout et les Français qui sont tout de même qui sont présents dans cette partie. C'est on espère que cela va continuer sur tout le match et qu'on continuera de faire douter ces Américains qui nous laissent quand même quelques disques. En tout cas, ils nous les ont laissés sur le premier point et nos attaques qui, pour le moment, sont propres du côté français. Donc, on revoit le contact en zone et puis maintenant le give and go proposé par les Anglais. Donc les Français qui vont repasser à l'attaque sur ce match après ce point américain. On assiste un petit peu au même début de match que la dernière fois, c'est-à-dire que les Français ont été au contact. Maintenant, il va falloir réussir à rester au contact plus longtemps, tout simplement, pour éventuellement les faire douter. Exactement. Alors, est-ce que les coachs ont préparé des tactiques pour rester au contact des Américains? Nous allons voir tout de suite si ces tactiques-là vont marcher. Et voilà, c'est les Américains qui lancent le pool qui est haut, qui est planant. Ça va arriver dans la zone française sur Malvin Schmitt. Magnifique. Magnifique pool puisque les Français sont bloqués dans leur zone. Mais les Américains qui restent sur de la défense individuelle. Ça reste sur de la défense américaine, sur la défense individuelle. Et Caïs qui va retrouver Malvin Schmitt. Caïs qui a réussi à débloquer le jeu par sa qualité technique là, vraiment magnifique. Allez, Matteo sur Melvin. Melvin qui va retrouver Joseph Delacha.
Matteo est tout seul. Matteo Coutinho avec le disque. Allez, ah non, il ne la lance pas. Alors qu'on avait l'impression que Enzo était tout seul dans la zone. Ça poche un côté américain, le premier du stack, il est toujours en train de poacher. Donc il va falloir se méfier, prendre son temps avant de lancer. Vous voyez le 5 là, qui a encore joué la trajectoire. Allez, Caïs Maté avec le disque qui est devant les Français, qui sont devant la zone américaine. Qui cherche une solution, qui va Malvin Schmitt, et c'est le point. Point de nos Français, on voit la connexion Caïs Maté-Malvin Schmitt qui marche très très bien. Malvin, il utilise sa vitesse là sur 10 mètres à chaque fois, il vient sur up the line, systématiquement il fait la différence. Donc voilà, on peut continuer à appuyer. Caïs lui a mis tout de suite dans l'espace. Pour les Américains, on peut le temps de s'adopter. Il va falloir faire attention. Quand on est. Les Américains proposent une défense individuelle, mais il y a toujours un joueur qui est en train de traîner dans le côté ouvert. Donc il va falloir être patient, attaquer à deux peut-être, pour éviter ce poach. On l'a vu plusieurs fois, hein, le numéro 5 qui traînait dans l'ouvert. Il va falloir faire attention à ça. Le petit filou qui va vouloir essayer de récupérer ce disque alors qu'il faudra avoir les yeux pour le voir et ne pas lancer le disque quand il traîne. Bah 20 minutes, on est plus que dans le match puisqu'on est devant. Bon, vous avez vu hein, par rapport au match d'hier, il y a très 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 peu de turnover, c'est vraiment du jeu efficace. Donc bah, il va falloir sanctionner, là je sens un turnover de la part des Américains qu'on va sanctionner juste après. Là. Allez, le pool va être important, là on a vu les Américains nous faire repartir vraiment au fond de notre zone. On s'en est bien sorti là, Caïs a réussi à trouver un break en allongeant un peu le jeu. Il va falloir être vraiment efficace sur le pool et monter tout de suite, mettre la pression. Arthur visiblement qui va pouler. Donc Arthur Arbreto a le disque qui devrait pouler. Tout le monde est prêt. Et c'est parti. Et le pool qui est pareil, voilà. Qui est très haut, qui va arriver. Haut, suffisamment loin. Là, on a le temps de monter fort sur le terrain. Voilà, et les Américains vont repartir dans leur zone. Ils sont dans leur zone. Et puis nos Français qui proposent une défense de zone. Mais les Américains qui trouvent tout de suite le trou dans notre premier rideau. On a un petit souci là, tout de suite au milieu du terrain, là, sur le deuxième rideau. On n'arrive pas à les contenir. On est un peu trop loin. Hugo Herbin qui fait l'effort pour du premier rideau. Ils essayent de bloquer, c'est Alexis Grosjean qui était sur le porteur, ça passe par-dessus. Pour les Américains, il y a très peu de vent, voire peu de vent, donc les passes par-dessus sont plutôt faciles à faire. Un petit scooper, un petit upside, ce n'est pas un problème. Et puis en plus pour les Américains, encore moins. Les Américains qui ont bien su progresser, qui se retrouvent dans la zone française et c'est point. Point des Américains qui restent toujours au contact, 4 partout. Pour l'instant, on n'arrive pas à les bloquer, on n'arrive pas à contenir leur jeu, ils passent facilement au-dessus de notre zone. Peut-être que proposer une indive derrière notre rideau, ça serait une bonne solution. Et puis une fois qu'on dans notre transition, ils utilisent tout de suite, ils arrivent quand même à avoir de la continuité. Et tant qu'on n'arrivera pas à arrêter le disque à un endroit du terrain, on sera en difficulté de toute façon. Après, si nos Français continuent à marquer toutes leurs attaques, nos Français remportent le match à la fin, vu que le break a été fait sur le premier point. Et donc, maintenant, c'est aux Américains d'essayer de faire l'effort de venir nous chercher, parce que pour le moment, nos Français proposent aussi des attaques sans turnover. Là, vous voyez, on vient juste de voir à l'écran là, le public français. On rappelle qu'il y avait près de 100 supporters français, des parents. Les familles sont venues jusqu'à Wrocław en Pologne pour assister à ce tournoi. C'est la première journée où le temps est maussade. Il pleut pas encore, mais ça devrait venir dans la journée a priori. On a plutôt craint les UV plutôt qu'autre chose cette semaine. Beaucoup. Sans qu'il fasse trop trop chaud, moins qu'en France je crois d'ailleurs. Pas très chaud, mais beaucoup de coups de soleil pour nos jeunes qui se sont fait surprendre sur les premières journées. Il a fallu bien s'hydrater. Et le pool des Américains qui va finalement sortir. Un pool donné par les Américains. Malvin Schmitt qui va revenir au point de brique. Donc défense individuelle proposée par les Américains et les Français proposent un stack horizontal. Vous allez voir là à l'écran bientôt. Vous allez voir qu'ils utilisent toute la largeur du terrain.
avec 30 l'heure au départ. Et voilà, on voit le numéro 2 américain qui vient couvrir. Louvert qui vient coacher, ça y est, il revient sur son joueur. Malvin Schmidt qui va trouver devant Arthur Herbreto qui a su se démarquer de son vis-à-vis. Arthur Herbreto qui cherche une solution. Il va retrouver son coéquipier Caïs. Caïs qui va retrouver ensuite encore Arthur Herbreto. Cette connexion marche très très bien. Et ça va retrouver en air release sur Léo pour aller chercher le break de l'autre côté du terrain. On peut repasser par le milieu avec Matteo Coutinho qui va retrouver de l'autre côté. On repart du côté gauche avec Malvin Schmidt. Malvin Schmidt qui cherche une solution, qui va trouver Arthur Herbreto. On repasse de l'autre côté du terrain, on est sur le côté droit. Attention là, tous nos cuts sont en force dans l'ouvert. Il va falloir varier nos courses là, on est un peu trop, on mise tout sur la puissance. Il va falloir changer beaucoup plus les directions, beaucoup plus souvent. On va se retrouver en difficulté au fur et à mesure du match si on continue à courir comme ça là. Mais pour le moment, les Français qui gardent la possession du disque. Arthur Herbreto voilà, qui va retrouver de l'autre. Malvin, il faut que ça enchaîne dans l'eau fermée. C'est trop tard. Il n'a pas eu la continuité. Malvin Schmidt voilà, qui va retrouver Matteo Coutinho. Matteo Coutinho qui se retrouve devant la zone américaine, qui va recentrer avec Malvin Schmidt. Est-ce qu'il part dans le break, mais ça sort. Léo sort du stack. On encombre un peu trop la zone à mon goût. Et Malvin Schmidt qui arrive à trouver dans le break Matteo Coutinho. Très beau point de Français qui continuent sur leurs attaques sans turn. C'est très beau. Très belles attaques françaises. Et la France qui mène 5-4 face aux Américains alors qu'il y a déjà 25 minutes de jeu. Et là on voit la petite connexion Malvin-Matteo. Malvin par sa vitesse d'exécution a réussi à breaker son joueur américain et proposer une belle passe dans le fermé. On revoit le high release de Arthur bien dans l'espace dans le fermé. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un high release, c'est une passe où le disque va passer au-dessus de son épaule, au-dessus de l'épaule du lanceur et de l'adversaire. De l'adversaire, mais c'est une passe haute en coup droit. Il n'y a pas de vent, hein. Donc là les Français sont en confiance techniquement. De toute façon, les coachs, on a pu discuter un peu avec eux. Là on n'a rien à perdre, donc autant se lâcher. Donc il faut prendre les risques. Mais techniquement, on est quand même très propre en prenant des risques. C'est plus des risques pour eux puisqu'ils maîtrisent, mais il faut oser, il faut se lâcher. C'est une finale championnat du monde contre les Américains. On n'a pas grand-chose à perdre. Les pronostics, on les connaît, c'est États-Unis à 2000%. Donc voilà. Mais là, on va peut-être un peu rentrer dans leur tête. On est à 5-4. Une petite défense nous ferait du bien là. Allez, les Français y croient. On voit les supporters chanter la Marseillaise. Et pour le moment, on entend beaucoup plus maintenant les Français que les Américains, alors que les Américains, pendant toute la semaine, on les a beaucoup entendus. Et là, plus beaucoup de bruit du côté USA. Super pool de Malvin, là, parce qu'il est loin et il est très planant. Donc du coup, on a le temps de monter très haut sur le terrain. Et donc Ismaël qui arrive à se mettre tout de suite sur le porteur du disque pour mettre pression dans la zone américaine. Allez, il faut continuer à les maintenir là. Attention au jeu profond. Bon break. Ça ressemble côté américain, ça va dégourer à l'opposé évidemment. Les Français. Les Américains utilisent bien la largeur, c'est parti. C'est parti, la longue est lancée. Magnifique, déposée dans les mains de son coéquipier. C'est continué, c'est point. Encore une fois, techniquement, là, c'est difficile de défendre pour les Français parce que si vous les prenez derrière, ils viennent devant. Si vous les prenez devant, ils vont derrière. Et comme techniquement, ils sont très précis pour l'instant, pas de souci. Le coach américain vient d'appeler un temps mort. Ils sentent qu'ils veulent mettre la pression avant la mi-temps, 5-5, ça veut dire qu'ils goûtent hein, quand même, hein. ils sont pas sereins. Comme on l'a dit, nos Français peuvent faire douter les Américains et ils le font sur ce match. 5 partout, 27 minutes de jeu. Franchement, on a une belle opposition hein, de la part de nos Français. Oui, temps mort, Melvin. Donc voilà, les Français qui n'avaient pas vu qu'il y avait temps mort pour appeler par les Américains. Et donc... Les Français qui, pour le moment, sur toutes leurs attaques, sont très très propres. Je crois qu'on a perdu un frisbee sur le premier point parce qu'il y a eu deux turnovers. Exactement. Et depuis. On essaye, ça ne fait pas tomber le disque, c'est les Américains qui ont tombé. The ultimate things in life are free, and we're keeping it that way. Subscribe to keep up the latest games, tournaments, and community content. Share it with your team and friends, and drop a like.
to help spread Ultimate to more people. Spread the word, spread the love. Ultimate. Voilà, vous aviez un petit temps de publicité, hein, faut, comme à la vraie télévision. On se retrouve. Donc les Américains viennent d'appeler un temps mort pour placer quelque chose défensivement, à mon avis. Parce que bah, pour l'instant, on est très propre en attaque. Ils nous posent sur l'avant-dernier point. On ne peut pas dire qu'ils ne nous aient pas posé difficulté parce que c'était pas simple, mais ça a bien fonctionné. Et donc les Américains qui, pour le moment, n'arrivent pas à nous embêter tant que ça non plus, puisque les points se font sans turn du côté français. Et on espère que ça va continuer comme ça, puisque si les Français continuent à marquer toutes leurs attaques, ce seront les Français qui seront champions à la fin de ce match. Mais ce n'est pas encore fait, puisqu'on sait très bien que les Américains ne vont rien lâcher. Et on sait très bien aussi la force des Américains sur ce type de match. Donc à nous, aux Français, de montrer qu'ils peuvent être aussi forts que les Américains. Et donc les Américains qui vont pouler, c'est parti avec le numéro 11 qui va lancer un pool bien planant, qui va arriver dans la zone française, Malvin Schmitt, qui va retrouver Case Maté, qui redonne à Malvin Schmitt, on retrouve devant Arthur Abreto, et c'est catché, et c'est même Callahan, Callahan des Américains. Ouais, je vous l'avais dit juste avant... Je trouve qu'on a des courses qui sont un peu trop longues sans changement de direction. Et là, l'Américain a pu anticiper et passer devant. À ce niveau-là, il faut... Voilà, Arthur, c'est pas grave. Hein, il fait vraiment un tournoi magnifique. Mais on part d'un peu loin. On change pas de direction. L'Américain a le temps d'anticiper et se jeter. J'espère qu'on va le revoir au ralenti parce que des gestes comme ça, franchement, c'est rare. Voilà, vous allez voir, là. Le pool est long. On est bien. Et puis, vous voyez, Arthur, là, hop, il va changer de direction. Mais là, ça fait... voilà. Presque une dizaine de mètres et l'Américain a le temps de passer devant. Ah, notre Callahan. Pour moi, c'est pas une Callahan puisqu'il y a son premier point de contact avec le sol qui est juste avant la ligne, mais c'est pas grave, le geste était magnifique. C'était beau et... les coachs américains sont d'accord avec nous, il n'y avait pas Callahan, mais c'est pas grave. Allez, on va repartir. Là, vous allez voir, le premier point de contact avec le sol, il est juste avant la ligne, puis il retombe sur le sol, donc normalement il aurait pas dû avoir point. Les Américains auraient dû récupérer le frisbee juste devant la zone. Mais bon, ça s'est passé tellement vite. Tellement vite que... à vitesse réelle, on n'avait pas le temps de le voir ça. Et puis ce geste magnifique des Américains qui maintenant repasse devant. Il faut qu'on arrive à varier un peu plus nos courses là sur les attaques parce que. On les met pas en difficulté, c'est trop lisible ce qu'on fait et du coup il a pu anticiper et puis. Il a mis le coup de rein nécessaire pour passer devant, c'était magnifique. Il faut maintenant travailler un peu plus nos cuts pour que les Américains ne puissent plus passer devant, les Français qui repassent à l'attaque, les Américains qui reproposent une défense individuelle. Les Français toujours à l'attaque, qui progressent sur ce terrain. Melvin Brichet qui va lancer long. C'est un peu trop long. Encore. Et ça va se battre. Oui. Et c'est catché. Pas Enzo Stangenek. À l'intérieur ou à l'extérieur. J'espère qu'on va avoir un ralenti qui va nous permettre de le dire. Alors les supporters qui indiquent que c'est... Le coach américain qui vient voir à l'écran s'il y a un ralenti. En tout cas, les supporters français indiquaient que c'était out. Quel dommage, alors que c'était Enzo Stangenek qui s'était bien battu pour aller le chercher. Non, il est dehors. Il est dehors. Dommage, il s'est bien battu. Ouais, attention, là, il faut... Les Américains. Il va passer devant. Et non, alors que dommage. Malvin Schmitt a failli passer devant l'Américain. Bien, bonne défense, bonne pression. Bonne pression d'Arthur sur le frisbee. Ah, il faut être tous dans la même intensité là. Il faut vraiment monter son niveau en termes d'intensité, leur montrer qu'on est présent. Matteo qui fait le travail sur les quêtes de middle.
Allez, bien garder son côté ouvert. Et la longue qui est lancée. Magnifique. Et le joueur américain qui est tout seul. Et ses points. Et oui, c'est la difficulté. Dès que vous leur laissez 2 mètres vers l'arrière, on est sanctionné. C'est dommage. Là, on avait encore l'occasion de rester dans le match. 7-5. Je vais pas être pessimiste, mais ça ressemble un petit peu au premier match, tout ça. On était très bien au début, et puis bah, vous avez vu, on fait une erreur, un lancer un peu imprécis, un peu trop haut. Même s'il y a eu un tips, on a failli le rattraper en zone, mais clairement, on était dehors. Et puis voilà, on est sanctionné automatiquement par l'attaque américaine par la suite. Hein. Melvin, là, qui a failli intercepter, son base défensif qui était magnifique. Et puis ensuite, on renvoie Melvin. Oh, Melvin qui a failli passer devant avec son plongeon. Et puis derrière, ça enchaîne malheureusement pour eux. Quoi. Voilà, beau lancer long. On était même plus de 3 mètres, hein. On était peut-être 5 mètres derrière. Melvin qui s'est complètement fait bouffer par son vis-à-vis en longue. Et les Français qui vont demander un temps mort. Et donc temps mort demandé par les Français. Les Français qui vont essayer de se remobiliser après ces 2 points marqués par les USA, ces deux breaks. On le rappelle parce qu'on l'a pas dit, c'est match 100 minutes, mi-temps à 8. Donc voilà, si les Américains marquent, malheureusement on sera à la mi-temps. Mais on souhaite que les Français reviennent au score à 7-6, évidemment. Et puis même peut-être à 7-7. Qui... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais pour le moment, c'est pas fait. On va d'abord attendre le prochain point. Nos Français. Vu, hein, dès qu'on n'est pas propre, dès que nos passes ne sont pas suffisamment précises, et ben c'est turnover. Et puis derrière, on est sanctionné. Hein. Voilà, c'est une finale mondiale. Donc évidemment, c'est du très, 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 très haut niveau. Il faut rappeler que les Français ont fait un parcours magnifique puisqu'ils ont été chercher les Canadiens. En demi-finale, ils ont battu la Colombie, ils ont battu la Nouvelle-Zélande, enfin que des grosses nations. Ils se retrouvent là pas par hasard, hein, évidemment, ils ont fait un super tournoi. Et puis ils ont aussi à gagner certains matchs plutôt facilement. Donc, Il y a eu une victoire italienne, l'Italie qui termine 3e sur ces championnats du monde, qui battent le Canada sur la petite finale. Donc pas des petites victoires non plus, hein, des victoires sur des belles nations. Maintenant il nous reste les Américains et... Clairement, maintenant on a 2 nations européennes qui s'approchent vraiment, vraiment du haut niveau mondial, l'Italie et la France. On avait une finale U17, Italie-France en garçons et en filles. Malheureusement qu'on a perdu les deux, notamment U17 garçons d'un point. Et puis là, on se retrouve en finale avec nos garçons. Et puis tout à l'heure, juste après ce match-là, avec nos filles, c'est quand même exceptionnel. C'est un exploit de la part de notre délégation junior, là, avec tout le staff qui est présent, tout le travail qui a été fait depuis... Un petit moment, je pense à tous les staffs qui ont œuvré, le staff médical, le comité directeur aussi qui soutient tout ça, de la fédération, le travail des clubs évidemment, hein, qui permet la formation de ces jeunes, des ligues aussi. Voilà. On a une formation en France qui est très efficace. Maintenant, c'est comment on va réussir à développer ça au niveau adulte pour qu'on soit aussi très performant en adulte. Hein. La transition, elle n'est pas encore tout à fait présente, mais il va falloir qu'on réussisse à le faire. Et on commence à le voir puisque nous avions un ancien U20 dans les remplaçants de l'équipe Wargame qui est Elliot Bonnet. Oui, pas qu'un U20 hein, puisque enfin, si tu parles des Wargames, Sacha, oui, mais Quentin, qui était... ont Elliot... joué en junior aussi. Hein, donc, y a pas non, de mais soucis. Je dis de Elliot Bonnet parce qu'il est de 1 an de plus que les dernières que années. Que les... Il vient juste sortir de... Mais beaucoup, beaucoup de jeunes de... Mais beaucoup de jeunes de juniors étaient en junior, bien sûr. Notamment Lison, Eva aussi chez les filles. Donc voilà. Bon là on est bloqué dans notre zone là, en défense indive. Bien joué Léo. Melvin qui va encore trouver facilement le fermé. Donc les Français à l'attaque qui restent pour le moment devant leur zone. Voilà les coachs qui mettent vraiment une grosse intensité là, qui donnent beaucoup d'informations sur les joueurs. Il va falloir changer absolument nos courses. Ça y est, et il change la force. Attention, c'est une force middle proposée. Melvin Schmidt qui va trouver Melvin Brichet sur le côté gauche du terrain. Attention Arthur, tu cours beaucoup trop en largeur. Là. Il faut verticaliser tout ça. Quant à Péchard avec le disque, qui Léo, cherche une solution, qui va retrouver Léo tout seul. Pour un recentrage. Léo qui va trouver Melvin Brichet. Les Français qui avancent, qui arrivent sur le milieu de terrain. Ouais, Léo, Léo qui va se retrouver tout de suite du côté gauche. Tranquillement. On va retrouver derrière Caïs. Attention Arthur, oui, bien le changement de direction, bien joué Arthur. Et Arthur qui se retrouve en... Les Français qui seront toujours sur le côté gauche du terrain, mais qui se rapprochent de la zone américaine.
Les Français qui pour le moment se trouvent facilement là avec le disque. Et c'est défendu. Et c'est défendu. L'Américain qui arrive à passer devant Melvin Brichet. On ne peut pas se permettre de rester dans la même direction. Attention, je l'ai rappelé. Non, c'est bon. Ça n'a pas été lancé. Il n'a pas osé cet Américain là. Décalage, attention. Et là, le c'est parti à l'opposé. Hop, voilà, c'est retenu. Voilà, bien joué. Lancé. Vu l'intensité que les Américains mettent là, je peux vous dire qu'ils n'étaient pas rassurés. Donc on passe la mi-temps à 8-5, mais ils ont eu une période de doute là, parce que quand on les voit crier comme ça, c'est qu'il y a eu vraiment, ils ont eu une grosse période de doute. Là ils sont un peu plus rassurés, 8-5 à la mi-temps, c'est dommage. Je pense que la clé c'est, techniquement on est bien, il faut que dans nos appels on change un peu plus de direction de nos courses parce qu'on est trop lisible. Je suis d'accord Ludo, pour le moment les appels, niveau technique pour le moment on l'a, on arrive à trouver les bonnes passes, c'est maintenant à être plus tranchant dans nos appels, travailler plus nos cuts pour que on soit devant les Américains. Donc là on revoit les actions, on revoit la dernière action américaine, les Américains donc qui marquent le point, et donc nous arrivons à la mi-temps, les deux équipes qui vont se retrouver ensemble. Et donc nous allons nous retrouver juste après cette mi-temps de cette minute. Alors on revoit encore les belles actions, donc là la défense américaine. La passe qui part un tout petit peu trop tard, c'est pour ça aussi qu'elle est interceptée. Elle part un peu trop tard par rapport à la paix et l'américain a le temps de venir intercepter. Il faut qu'on ait... Pour moi il y a deux progrès à avoir là pour ces jeunes. C'est un, vite exécution plus rapide. Deux, changer plus souvent encore de direction dans nos appels pour que ça soit plus tranchant. Mais ça va être vu avec les coachs. Pour essayer de remanier tout ça sur la deuxième mi-temps. Bon, il faut dire que ça ressemble tout de même à ce qui s'est passé sur le premier match, 8-5. On espère pas la même tournure à la fin et que les Français vont arriver à revenir dans cette deuxième mi-temps. Car il y a des belles choses à retenir sur cette première mi-temps. Nos Français qui ont mené pendant une grosse partie de ce match, qui se font rattraper sur la fin de cette première mi-temps. On retrouve... Bichon picks up and they've got a short field. They've got another goal. It's tied up at 12. I cannot believe what I'm seeing. Can Lola Dam chase that one down? That is a score for Haslinger and Falkel. Fantastic run by Julia Love. We're on a mission to make Ultimate huge. And we believe that that requires knocking down the paywall. We want our videos and live streams to be free to watch, and we want them to go viral. When you become a member, you enable us to improve our working relationships with tournament organisers, events and federations. And you'll help us to produce live stories for Ultimate fans and to generate new fans with our enhanced content. We are a group of Ultimate players, coaches and video enthusiasts, and we want to bring you coverage on a more consistent basis. We want to make stories that not only reach you, but also reach people outside the Ultimate community. Ciao ragazzi, support the community. And subscribe to OTT TV. There's lots of the videos, posting, everything. Check it out. They are the best one. Woo! If you want to grow Ultimate Sports, become a member of OTT TV. Regardez OTT TV. Deviens un membre d'OTT TV et fais grandir ta communauté. Top OTT TV. Salme et Roginkime. Ultimate of Andromeda. Si quieres ayudar a OTT TV, puedes ser miembro de Ulti TV. Everyone, follow Ulti.tv on Instagram, on YouTube. They've got everything. Best content. Like their pictures if you love frisbee. Just do it. You, we're counting on you. Be medlem på Ulti TV. Became member of Ulti TV. Mamma mia. Contribue au développement d'Ultimate avec Ulti TV. Like and subscribe. Ulti TV, the best in the world. We want to grow Ultimate. We want to grow Ultimate. We've worked with the major federations and the greatest events. We have our signature style two-camera setup. With thousands of hours of experience. And our crew is globally dispersed to facilitate coverage everywhere around the world. We can also scale back our broadcast with just one elevated camera. Or scale up with two fields, two cameras, and two commentators on each.
We work with local teams and we all have the same mission, to grow the sport and bring it to new people by providing live coverage and new stories. Become a member today on our Patreon page. And fund our work to cover more events in the future and to bring more stories, ideas and live coverage to the eyes of the ultimate world and beyond. Always on the move? You can keep up to date with Ulti TV on all of our social media channels. Like, follow, subscribe, share us with a friend, or send us a message just to say hey. Thank you for supporting us in our mission to grow Ultimate everywhere. Fin de cette mi-temps, nous allons entamer notre deuxième mi-temps. Les Américains qui mènent 8-5 pour le moment dans ce match. Nos Français qui étaient devant sur cette première mi-temps, qui menaient jusqu'à 5-4. Et puis les Américains qui sont revenus et qui maintenant mènent à la fin de cette première mi-temps. Des Français qui ont montré de très belles choses en attaque. On espère qu'ils vont retrouver ce flow qu'ils avaient retrouvé. Là, on revoit quelques ralentis. On va la Callahan. Parce que, ouais, je confirme, il touche d'abord le genou. Le genou est d'abord au sol avant le point, mais c'était tellement beau. Vu l'interception et les Américains, s'ils se seraient retrouvés devant la zone, de toute façon, je pense que les Américains auraient eu de grandes chances de marquer par la suite de cette interception. Maintenant, le point est fait, le mal est fait. Les Américains sont devant, 8-5 à la mi-temps. Et les Français qui vont commencer cette deuxième mi-temps à l'attaque. Et le match qui va reprendre, le poulet parti. Et il va arriver dans les mains de Malvin. Malvin qui va retrouver Caïs sur Malvin Schmidt. On va retrouver Matteo Coutinho. On est pour le moment devant la zone française. Les Américains qui reproposent de la défense individuelle. La clé là, si on se sortira à mon avis, et là, c'est vraiment qu'il faut qu'on arrive à jouer dans le fermé. Les courses prises dans l'ouvert, c'est hyper compliqué de se démarquer. Athlétiquement, ils sont vraiment présents les Américains. Il faut réussir à menacer aussi dans l'autre largeur du terrain. Même si a priori là, ils nous font une force middle. Force middle. Attention, celle-là. Quentin qui va récupérer, on est sur le côté droit du terrain. Bon changement de direction de Matteo là, alors il vient un peu près des handlers, mais le changement de direction est plus efficace. Voilà, Clément Priou avec le 10, qui va aller chercher le break, et c'est trop long, les Français qui redonnent le disque aux Américains. Ah, on voit les Américains défensivement là, ils ont augmenté l'intensité, et puis là, ça fait déjà 45 minutes de jeu, on joue souvent avec les mêmes joueurs parce qu'ils sont un petit peu au-dessus. Le reste de l'équipe, donc là, il va falloir tenir. Allez, Léo Chéret sur le porteur du disque. Les Américains qui cherchent devant, c'est devant. Quentin Péchard qui va sur. Le disque qui est tombé. Deuxième imprécision des Américains. Malvin était au short. Non, la passe qui va dans le sol. Quel dommage, alors qu'on avait l'impression que Malvin Schmidt se retrouvait un peu esselé tout seul. Attention, jeu long. Non, c'est arrêté. C'est arrêté. Restez pas là, les gars, s'il vous plaît. Les Français qui, pour le moment, continuent d'harceler les Américains sur cette défense.
si on a switché. Ça avance, on va être en retard. Le Matteo qui est sur le porteur. Les Américains, oulala, c'est au-dessus. Non, non, il va se jeter. Oh là là là. C'est turnover. Ça va être annoncé un peu tôt puisque il y en avait un qui s'est battu, il a essayé de l'avoir et s'est droppé quand il s'allonge. Alors que il aurait très bien pu le catcher. Donc là, les Français qui repartent à l'attaque. On va retrouver Arthur tout seul. Il va retrouver Caïs. Et c'est défendu. Alors que l'appel, encore une fois, n'était pas assez franc. On se remet en place. Et c'est lancé, c'est le haut. C'est le point, il est tout seul. Clément abandonné. Là, la faculté des Américains aussi sur la précision des longues, c'est je cherche l'espace, je cherche pas le joueur, je cherche l'espace libre, je la mets pleinement déposée. Tranquille. Et ça, j'aimerais bien qu'en France, on le voit encore plus. Certains joueurs sont capables de le faire, mais je joue pas le joueur, je joue l'espace tranquillement, je la dépose à l'endroit où la course peut venir. Et là, vous allez voir, j'espère qu'on va avoir un ralenti. Il réceptionne, tout de suite, il analyse où est l'espace et il lance pleinement dans cet espace-là. Là, on va revoir la défense faite par les Américains. Je pense que Caïs, là, il aurait dû jouer fuyant plutôt que proche, malheureusement. Là, tout de suite, hop, j'analyse où est l'espace, je lance tranquillement à l'opposé. C'est fini, j'évite tout le monde et je la dépose. Il est vraiment tout seul et puis elle est vraiment déposée, aucun duel. L'Américain n'a même pas besoin de faire d'efforts pour le catcher, c'est... 9-5. 9-5. Aïe. Ah là là. Aïe. Allez, les Français qui doivent se remobiliser. Et là, on commence à ressentir quelques gouttes. Je crois que la pluie recommence. Alors évidemment, 9-5, le score commence à être un petit peu large, mais faut pas oublier qu'on a largement mérité cette finale, notamment... On a battu les Canadiens en demi-finale, après être mené 8-6 à la mi-temps. Et on va chercher le match 14-10, hein, donc voilà, on mérite notre place. On a battu la Colombie, on a battu la Nouvelle-Zélande. L'Italie. On a battu l'Italie aussi. On a battu l'Italie, alors que pareil, nous étions menés à la mi-temps 8-6, on les bat aussi... je crois à 13-10. Voilà, toutes les équipes qui sont derrière, on les a battues. Donc voilà, les Français méritent amplement leur place. Sauf que bah, malheureusement, il reste encore un obstacle dans le monde de l'Ultimate qui s'appelle l'USA. Et puis bah, il va falloir essayer de combler au maximum l'écart entre cette nation et les autres nations. Hein, parce qu'évidemment, si on est là, c'est que les autres nations sont aussi également en difficulté face aux Américains. Et donc les Français qui partent à l'attaque. Travel à la plaie. Ça joue. On est sur une force middle visiblement. Voilà, il change. Les Français. Tout le temps away home de la part des Américains. Je ne sais pas si vous l'entendez au micro, mais ils changent systématiquement la force. Voilà. Et les Français qui arrivent enfin à ressortir de leur zone. Donc, ah, et une faute. Peut-être partir sur les côtés pour revenir au milieu chercher le frisbee. Arthur qui appelle une faute. Le jeu qui va pouvoir reprendre, le jeu qui avait été arrêté. Ça retrouve Matteo Coutinho avec Caïs Maté, avec Melvin Schmidt. Utiliser la grande diagonale qui est le côté ouvert. Là, ça revient sur Caïs Maté. Attention, changement de direction. Oui, les garçons, il faut changer de direction. Sinon, vous allez vous faire défendre. Les quatre qui sont un peu en force et le Jean Léon, ça va aller au duel et c'est pour Joseph. Joseph Deloger de l'achat. Il va chercher une solution, il va retrouver devant Arthur Abreto qui a failli se faire passer devant par l'Américain, mais non, il garde le disque. Et Caïs Maté avec le disque, il va retrouver Melvin Schmidt, très fort, qui garde le disque. On a un duel franco-français là, puisque le numéro 0, Loïc, est également double nationalité. J'ai pu discuter avec lui hier. Et Joseph qui... Il vient gagner son duel, c'est important de gagner le duel aussi à ce niveau-là. Hein. Tous les frisbees ne seront pas parfaits, il faut absolument gagner le duel. Alors là, Caïs va-t-il proposer? Il propose encore derrière, ça serait bien que Caïs de temps en temps, il ose aller vers l'avant là. Melvin Brichet avec le disque, qui va retrouver Arthur Breteau devant, dans le milieu, il ne retrouve pas de continuité. Il va retrouver Caïs Maté, Caïs qui va retrouver de l'autre côté Matteo. Caïs, il a quand même une super lecture du jeu, il a une faculté pour aller jouer dans le fermé qui est
qui est vraiment facile, c'est facile pour lui en fait. Exactement, on a l'impression que quand il a le disque, les passes sont très simples, alors que je peux vous l'assurer, pouvoir mettre ses disques contre des Américains, c'est pas si facile que ça. Voilà, vous avez vu là, on est bien pris dans l'ouvert, c'est compliqué de se démarquer dans l'ouvert. Joseph qui va retrouver Malvin Schmitt. Il y a que Malvin qui arrive à se démarquer relativement facilement sur Up the Line. Voilà, les autres, on est un peu plus en difficulté. La vivacité de Malvin, elle leur fait mal, là, hein, clairement. À chaque fois qu'il vient côté le long de la ligne, il y arrive. Et ça va recentrer, ça doit aller à l'opposé. Voilà, bien voilà, joué. Encore c'est Caïs. Ah, si, ça va sur Melvin Brichet. C'est défendu, mais non, pas quand même. Alors que ça avait été défendu par l'Américain. Melvin Brichet s'est bien battu et allait chercher le point. Alors quand je réclamais encore, c'était pas la passe pour Malvin, c'était que je voulais qu'Arthur vienne faire l'appel tout de suite dans le fermé. Malheureusement, ça n'a pas été fait. On cherche. C'est Malvin qui est venu dans l'espace. On aimerait cette continuité après avoir recentré le disque. Et elle manque parfois, cette équipe de France. Si vous avez suivi un peu le match, est-ce qu'on a vu sur certains matchs, il manquait cette continuité. Et il gagne bien le duel, hein, parce que... Et oui, qui passe devant tout le monde. Et... Et là, on voit l'Américain qui avait essayé de passer. On revoit l'action de la Case avec Malvin Schmitt. Malvin... Loïc qui a failli encore intercepter. Aussi. Hein. Exactement, là, c'est... Et là, le recentrage, on va revoir la continuité. Et là, on n'a pas la continuité, mais ça retrouve Malvin Brichet. C'est défendu et... C'est défendu, on a de la chance. Hein. On a de la chance, hein, parce qu'il était là, il était présent, l'Américain. Et Malvin Brichet qui... Catch finalement ce disque. Allez, 9-6. 9-6, allez. Ça serait bon de faire une deuxième défense là dans le match. Pour l'instant, on en a fait une. Ça serait intéressant, une concrétisée. Je crois que les Américains ont fait 2 ou 3 turnovers max. Donc ça serait bien d'essayer de leur proposer quelque chose pour récupérer ce disque et l'amener au bout. Allez, nos Français qui repartent avec une ligne de défense. Malvin Schmitt qui possède le disque et qui va lancer le pool. Malvin sur le terrain, Malvin il fait un nombre de points impressionnant depuis le début du tournoi. Je crois que sur la demi-finale, d'après les statistiques, Malvin Schmitt je crois a fait 20 points, ce qui est énorme. Mais Malvin Schmitt qui a un très très gros volume physique. Ah, je crois qu'un call a été plié. Le compte monté, l'Américain s'est senti un peu pressé et puis a priori il vient d'appeler un contact de Malvin. Donc un appel de l'Américain, donc le compte. Ah, le compte qui va reprendre à 0 finalement. La faute ne va pas être contestée par Malvin Schmitt. Pourquoi il s'arrête quand même, c'est dommage, là. Et donc les Américains qui gardent la possession du disque pour le moment. On voit dans le jeu là les Américains. Ouh là là, la passe qui a failli aller dans le sol mais qui est bien rattrapée par l'Américain. Et le turnover, la passe un peu trop long. Et là on demande de ralentir, mais non, c'est là qu'on doit accélérer. Et Thomas appelé par le français. Vous voyez, quand on fait des petits gestes, on demande de ralentir. Je pense qu'on n'utilise pas encore assez la contre-attaque. Turnover, il faut appuyer sur la tête, il faut y aller. Mais là, time-out appelé par nos français. On va revoir l'action maintenant avec déjà ce disque qui a été rattrapé alors qu'il a failli toucher le sol. Et là, le disque un peu long. L'autre Américain qui était devant aurait pu, mais il était de dos, n'a pas vu la passe partir. C'est tombé par terre, les Français qui vont pouvoir repartir à l'attaque. Alors qu'une Marseillaise démarre dans les tribunes, le temps est en train de se couvrir, je pense qu'il va pleuvoir dans un... Mais il pleut, Ludo, il pleut, si on regarde bien. Tout va bien. Bon, nous sommes sous la tente, donc nous ne voyons pas la pluie. Mais il pleut, quelques gouttelettes pour le moment, ce n'est pas très intense. Mais cela va faire glisser un peu le disque, on espère que ça va faire glisser le disque des mains des Américains et pas des Français. Allez, time out, 9-6. Et les Français à l'attaque. Donc c'est le moment de revenir là.
Comme vous pouvez le voir, les parapluies sont sortis du côté des supporters. Les Français qui vont se placer en attaque. Alors j'ai l'impression que les Français vont proposer une iso sur Melvin Brichet qui se retrouve du côté sur le milieu de terrain alors que le reste du stack se retrouve du côté droit. L'objectif va être de chercher Melvin Brichet et il est trouvé par Melvin Schmidt. Les Français qui ont su progresser, Melvin Brichet qui ne trouve pour le moment pas de solution. Il va chercher devant. Bien courbé. Et Melvin Schmidt qui a tenté le gris test. Il était dehors. Il annonce faute parce qu'il n'a pas pu tenter le gris test. En fait, si je comprends bien, Melvin demande une faute au moment. Certes, il était en l'air, mais il a souhaité relancer le frisbee. Ce qui à l'intérieur du terrain et il a été gêné. Alors, il prend bien son appui à l'intérieur. Pas de problème. Et là, on voit l'Américain qui intervient sur le disque. Donc, on revoit encore l'action. Donc là, Melvin Brichet qui envoie, Melvin Schmidt qui prend son impulsion à l'intérieur. Il essaye de renvoyer, mais l'Américain l'empêche de le renvoyer à l'intérieur. Il l'empêche de tenter le gris test. La discussion a lieu, la faute. Melvin qui continue à payer la faute et sur le coup je pense qu'il n'a pas tort. Toujours la discussion entre le Français et l'Américain. Donc la faute est maintenue, c'est contesté. Donc Melvin Schmidt qui récupère le 10, ça revient sur Melvin Brichet. Donc désolé si vous avez pu entendre. Oh, c'est magnifique le break. Et c'est passé, c'est point. Sur Quentin Péchard. Super. Et encore une fois, on débloque le jeu grâce à des passes en break. Il faut oser aller jouer dans le break. Ça va simplifier nos appels. Et finalement, nos Français qui arrivent à concrétiser une perte de disques américaine. Et les Français qui reviennent à 9-7 pour les Américains. Les Français toujours là dans ce match. Avec la pluie, peut-être que le nombre de turnovers va augmenter, à nous d'être encore un peu plus propres. Voilà, on revoit le turnover américain, la passe un peu trop longue. Et là, Melvin Schmidt avec le disque. On revoit l'action qui retrouve Melvin Brichet. Et là, magnifique. Vitesse d'exécution, passe dans le fermé, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là, derrière, Quentin qui vient dans le bon timing. Et on peut enchaîner facilement. Quentin qui a marqué un très gros nombre de points pour l'équipe de France. Les Français qui arrivent souvent à le retrouver dans la zone. On peut dire un serial marqueur du côté français. Ouais, c'est un joueur qui aime bien conclure, qui a un bon jeu en zone. Maintenant, il faut qu'il arrive à développer son jeu un peu plus à l'intérieur du jeu, ça sera parfait. Là, on peut voir que ça y est, la pluie, c'est beaucoup plus intense. Donc, les conditions de jeu, le frisbee va être beaucoup plus... Glissant. Donc... Et on espère des pertes de disques du côté américain. On va voir maintenant ce que ça donne sur cette défense. Arthur Arbretto pour le pool. Le disque qui monte, qui va arriver jusque devant la zone américaine. Et les Français qui vont reproposer une zone. Et ça passe par-dessus. Les Américains qui n'ont pas peur de cette pluie, qui passent par-dessus. Les passes qui sont faciles pour l'instant. On est repassé en défense individuelle. Et faut appeler par Caïs qui ne conteste pas. Oui, on le voit, la main de Caïs qui vient empêcher la passe américaine. Et donc les Américains se retrouvent devant la zone et ça va vite, c'est très vite.
point des Américains. Oh, c'était leur point. C'était leur point, ils l'ont très bien joué. Ils arrivent très bien à trouver notre zone et puis après la transition qui met du temps à se mettre en place. Et puis après, bah, ça joue vite du côté américain. Une première passe, une deuxième passe et puis c'est point. Ça va très vite. On a encore un petit défaut là, c'est qu'on n'arrive pas à tenir notre côté ouvert suffisamment. On se colle un peu trop près des joueurs, on n'utilise pas assez l'espace, on prend pas assez l'espace, il faut vraiment qu'on soit plus fort sur notre côté ouvert encore. Alors que on a un joueur français qui est en train de se faire soigner juste à côté de nous là. Il se mêle un tout petit peu mal à la cheville, rien de grave, hein. Je rassure les parents à Fontenay, mais. Bon, ils doivent être au courant puisque c'est une blessure qui s'était faite au premier match. Et, mais il a pu jouer sur la suite du tournoi. Donc c'est que tout va bien. Donc, il est bien pris en charge par les kinés et les médecins. Cédric n'a pas l'air trop inquiet. Ça va Cédric? Mathieu, un peu plus inquiet. Un petit peu plus de renfort sur la strap et ça passe. C'est génial. Voilà, ça y est, la pluie s'intensifie, vous allez voir, tout le monde a sorti les caouets, les parapluies, tout le monde vient se mettre à l'abri. Les maillots qui vont être bien collants sur nos joueurs. Ah, et... J'avais cru que nous avions perdu l'image, mais non, nous retrouvons l'image. Les Français qui vont passer à l'attaque. Et les Américains qui vont pouler. Et c'est parti, le pool est lancé. Ça va arriver sur offside appelé. Donc je rappelle la règle de l'offside. Donc ça veut dire que les Américains ont passé la ligne de leur zone avant que le disque soit lancé. Et donc c'est un hors-jeu. Et donc à ce moment-là, le disque revient tout de même aux Français, mais au point de brique et pas dans la zone comme il aurait dû être. Rattrapé, donc Malvin Schmitt avec Joseph le disque. Joseph tout seul, il faut profiter là. Joseph, tu es tout seul. Le numéro 11 français, il est tout seul. C'était absolument important de gérer là. Donc les Français qui sont sur le côté droit du terrain. Donc on retrouve Melvin Brichet. Allez, Caïs qui va proposer devant, qui va retrouver Melvin Brichet. Caïs, je vois pas suffisamment à mon goût aller côté up the line. Là. Souvent il vient chercher derrière avec... Il a les jambes, il a tout ce qu'il faut pour le faire. Il faut juste que dans sa tête, il le fasse plus. Et même là, aller chercher en zone, c'est très bien de sa part. Allez, là maintenant, c'est Malvin Schmitt qui va retrouver devant Arthur Herbreto qui a très bien eu son vis-à-vis américain devant. Joseph qui a un bon déplacement aussi. Et ça va retrouver Malvin Schmitt qui va retrouver Kaye. C'est ça, joue en 1-2. Non, et non, upside pour Joseph. Et c'est point. C'est très bon point des Français. Joseph qui marque. Voilà, on a mis des courses avec des variations, des changements de direction, on a joué dans le fermé et surtout les handlers ont sollicité vers l'avant, ça ouvre le jeu. On ne le voyait pas encore assez jusqu'au début de la compétition. On avait des handlers qui étaient parfois un peu trop statiques sur la ligne arrière. Dès qu'ils vont mettre du volume dans le jeu, ça va ouvrir les espaces aux autres. Et je pense que ça va faciliter un peu. Exactement, là, les petits 1-2 faits par les handlers pourraient trouver l'espace. Là, Arthur qui arrive très bien à trouver la longueur devant en prenant son vis-à-vis américain. Malvin Schmitt avec le disque, ça rejoue tout de suite très vite avec Caïs et donc Caïs avec le jeu qui a été fait dans l'ouvert peut retrouver Joseph dans le fermé du côté gauche du terrain. Très bien joué par nos Français, une belle attaque. Les Français qui sont encore au coude à coude avec les Américains, 10 à 8, rien n'est joué encore. Tout est encore possible. 67 minutes de jeu, on rappelle, hein, c'est 100 minutes ou 15 points, ou plutôt 15 points ou 100 minutes, parce que c'est dans ce sens-là avec le cap. Exactement, et nos Français qui vont passer en défense, les supporters français qui encouragent nos Français, ils sont derrière. Et voilà, c'est reparti. Donc Malvin Schmitt, comme à ses habitudes, pour le pool. Le pool est haut, il est long, il est planant. Est-ce qu'il va rester dans le terrain? Oui, il reste dans le terrain. Voilà, et on peut mettre et voilà, on met tout de suite la pression sur les Américains. Les Français qui proposent une zone, encore une fois.
Les Américains qui arrivent à trouver le petit jeu ici, ça repasse de l'autre côté. Oh oui, c'est bien joué, ça repasse vers le milieu. Les Américains qui arrivent à faire avancer ce disque. Et les Français qui sont passés en individuel, mais le problème c'est que la transition met du temps à se mettre en place et les Américains qui sont tout de suite dans la zone. Et c'est pas pour les Américains, la transition qui a mis du temps à se mettre en place. Et les Américains ont su tout de suite punir les Français. On a un souci là sur la zone, à chaque fois ils arrivent à passer dans notre dos, en plein milieu. Il faudrait qu'on arrive à mettre un joueur pratiquement dans cette zone et puis faire du marquage individuel dans cette zone là, derrière notre rideau, en plein milieu. Ça fait 3 fois qu'ils trouvent soit par-dessus ou même à travers notre rideau. Il faut absolument qu'on arrive à régler ce problème si on veut être plus performant sur notre défense de zone. Voilà, on revoit ici les Américains qui se retrouvent presque tout seuls. Les Français, on a l'impression qu'ils sont trop loin de leur vis-à-vis américain et les points qui ont l'air trop faciles. Trop facile pour nos Américains, dommage. Dommage pour nos Français, il va falloir trouver la solution en défense et essayer de faire perdre le disque aux USA. Mais là, c'est pas le moment de penser à ça, puisque c'est le moment de penser à l'attaque pour nos Français. Qui, pour le moment, réussissent quand même plutôt bien leurs attaques, même s'il y a eu quelques turns du côté français. À une certaine période de ce match, les Français qui sont plutôt propres sur leurs attaques. Ah, les coachs français, là, je pense à ça, là, Jean-Marc Roca et puis Cédric Tristard, là, qui s'investissent depuis très très longtemps dans le pôle junior, ils peuvent être fiers des gars quand même, parce que c'est 11-8, finale américaine, conditions difficiles, on offre un jeu propre. Certes, les Américains sont devant nous, mais je pense qu'on le savait un petit peu avant le match, puisqu'ils font très très peu d'erreurs, mais franchement l'opposition qu'on offre elle est plutôt satisfaisante. Il y a quelques points encore tactiques à régler pour nos jeunes joueurs, mais c'est quand même très encourageant tout ça. Et le poulet lancé, ça va arriver très vite dans les mains de Malvin Schmitt, qui va pouvoir relancer vite avec Caïs qui va chercher Malvin Schmitt avec Matteo Coutinho. On va retrouver au milieu Léo Chéret, on va retrouver Melvin Brichet. Ça avance très bien du côté français là. Voilà, les Français qui arrivent à retrouver très vite les espaces. Super, Matteo, le jeu dans le break, là, Matteo par-dessus, c'était bien joué. Hein. Voilà, Léo Chéret qui cherche, qui va retrouver Matteo Coutinho. Les Français qui ont bien su progresser. Nos Français toujours avec la possession du disque. Allez, Melvin. Melvin Brichet avec le disque du côté gauche du terrain. Ouais, ça trouve le break Matteo pour le point. Pour Matteo, c'est point. Très beau point de nos Français. Qui ont su jouer très bien dans la longueur, qui ont très bien su avancer avec le disque. Magnifique. Et là, la grosse différence sur ces points, c'est qu'on arrive à jouer dans le dos du défenseur qui est sur le porteur du disque. On arrive à le breaker plus régulièrement et tout de suite, ça facilite les courses, ça facilite les enchaînements. Et voilà, on voit là, premier break de Malvin. L'Américain qui cherche à forcer vers le milieu terrain. Et Melvin va en faire un deuxième top grâce à un bon pied de pivot. Et du coup, pour Matteo, c'est beaucoup plus facile de se libérer. Et il faut qu'ils profitent de ça. Nos joueurs français qui, quand même, sont assez techniques. Donc, ils peuvent rivaliser avec nos Américains sur ce côté-là. Donc, eux d'oser maintenant et d'y aller. Si je peux me permettre de donner un petit conseil à nos jeunes joueurs là, qui nous regardent, travaillez s'il vous plaît votre pied de pivot. On voit que c'est vraiment une arme indispensable pour jouer au niveau et être capable de jouer dans le dos de son adversaire, de breaker. Et ça passe par forcément un super pied de pivot, hyper dynamique, hyper rapide. Et donc nos Français qui vont repasser en défense, 11-9 pour les Américains. Nos Français sont toujours au coude à coude avec ces Américains. Allez, on sait que c'est possible. Encore plus intense. Allez, le pool d'Arthur Arbreto. Super pool avec dans la zone américaine. Arthur, on passe devant. Les Français qui toujours. Voilà, on est un peu loin de nos Américains qui arrivent à eux proposer du joli cut. Et oui, l'Américain qui se retrouve bien tout seul. C'est difficile à défendre parce qu'en effet, ils proposent tout de suite leur premier coup, c'est vers la zone.
Ils sont très menaçants en fond. On a vu que depuis le début du match, ils sont aussi très précis. Donc si on les prend pas derrière, eh ben, on va se faire punir. Donc du coup, notre défenseur vient derrière et ils font un contre-cut. Et ils gagnent énormément de terrain. Vous avez vu les passes là, on gagne 20-30 mètres à chaque fois parce qu'ils libèrent tout l'espace au milieu de terrain par des appels au fond. Ils reviennent à l'intérieur. Et là, tout de suite, la passe part. Ils s'enchaînent derrière. Franchement, à défendre, c'est pas simple. Ils sont tellement menaçants sur le jeu long que c'est pas évident de tout couvrir. C'est pas évident. Et puis on voit que les courses sont très belles du côté américain. On parle de l'aspect technique des Américains, mais le côté physique. Ah. Les Américains qui proposent des courses vers le fond, puis vers l'avant, ou vers l'avant, puis vers le fond. Nos Français qui n'arrivent pas à suivre toutes les courses américaines et qui au final se font avoir. C'est vrai que même si les Français sont bien préparés physiquement, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Ils arrivent en finale, ils sont encore frais, ils offrent un super match. Il y a encore un petit, je pense qu'il y a encore un petit gap d'écart avec les qualités athlétiques américaines. On les sent un peu plus vifs, un peu plus toniques, un peu plus rapides. Alors c'est vrai que Vincent Habitat par exemple et puis les préparateurs physiques ont fait le boulot. Mais malheureusement, je pense que sur les qualités intrinsèques, les Américains sont encore un tout petit peu supérieurs à nous. Ça fait la différence sur les courses, notamment sur les appels jeux en profondeur. Allez, nos Français qui vont repasser à l'attaque après ce pool américain. C'est parti. Allez, nos Français qui passent à l'attaque avec Kaïs Maté. Kaïs qui va retrouver Malvin Schmidt dans le recentrage. On repasse devant, les Américains qui proposent une zone. Là, avec cette pluie qui va le faire multiplier les passes et faire tomber le disque. Par rapport aux autres nations, là, les Américains ils utilisent beaucoup plus le marquage en individuel sur le second rideau. Ils s'adaptent beaucoup plus vite, c'est vraiment bien fait de leur part. Et du coup, on est contacté là. Ok, on a réussi à passer à. On est passé, on a reçu, on est concentré. Non, il nous manque la continuité de l'autre côté. Et on n'arrive pas. Et là, avec la pluie. Ah la continuité. Essayez d'attraper pas. Point français. Et c'est point. C'est point alors que la passe était passée, deux Français se retrouvaient tout seuls en zone. Là très bien vu, la passe de Melvin Brichet sur Arthur Abreto pour se libérer énormément d'espace. Il n'y avait plus personne derrière du côté américain. Deux Français après le catch d'Arthur Abreto. Bravo pour nos Français qui sont toujours au coude à coude avec les Américains. 12 à 10 pour les États-Unis. Là on peut revoir l'action. Donc là on revoit Kaïs qui fait un scooper sur Arthur. Qui n'a pas peur de la pluie, la Kaïs qui redonne à Melvin Schmidt sur Melvin Brichet. Melvin Brichet sans problème sur Arthur qui était seul. Sans problème. Alors non, on voit que l'Américain a failli lui passer devant, mais Arthur très fort catch disque et passe. On aurait aimé une passe un peu plus forte de Melvin. De Melvin. Pour laisser moins de temps à l'Américain pour venir. Mais bon, ça s'est bien terminé. Ça s'est bien terminé, les Français qui marquent 12 à 10. Voilà, c'est les conditions climatiques qu'on n'a pas eu du tout cette semaine. Voilà. Pas très chaud, il doit faire 15-16 degrés, 17 degrés peut-être. Et franchement, il y a une pluie, elle est droite, hein, parce qu'il n'y a pas de vent du tout. Mais par contre, ça tombe. Franchement, la qualité du terrain, elle est encore très bonne. Parce qu'après une semaine de tournoi, Rossoff nous a proposé vraiment de belles installations ici. Allez, la défense des Français, on est en endive. Non, les Américains qui se laissent encore beaucoup d'espace à l'intérieur du jeu. Donc nos Français qui essayent d'empêcher ces passes, mais vous pouvez voir les appels des Américains qui se retrouvent souvent seuls parce que on voit les courses proposées vers le fond puis vers l'avant. Finalement c'est relativement simple et c'est tellement bien exécuté dès qu'ils ont une solution, dès qu'il y a un changement de possession de frisbee, tous les appels vont vers l'avant. Il y en a un ou deux qui décrochent au milieu du terrain. Ça leur permet d'avancer. Et quand le jeu est un peu plus statique, c'est du jeu en train de l'heure sur la largeur. Et encore un break bien exécuté. Et oui, en plus d'avoir un très gros niveau physique, on le sait, les Américains sont forts. Superbe. Les Américains sont forts techniquement. C'est point 13-10. Franchement, on n'a pas à rougir. Hein. Vu le niveau des Américains, il va falloir qu'on progresse encore un tout petit peu pour venir les chercher. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une équipe encore plus homogène athlétiquement, techniquement.
parce que là on voit tactiquement on n'est pas si loin que ça, c'est-à-dire qu'on arrive à lire leur jeu, mais ils nous font mal parce que tout est précis, tout est bien fait, tout va vite. Donc 13-10, il nous reste encore pas mal de temps de jeu, donc je pense que ce match ira en 15. Très certainement, mais un petit 15-14 pour la France. Ce serait beau, un petit univers remporté par les Français. Mais nous n'en sommes pas là pour le moment, puisque pour le moment, 13-10 pour les Américains. On voit Cédric, hein, qui justement très star, là, qui demandait à nos joueurs français de mettre plus de verticalité dans nos appels, avec plus d'intention. C'est vraiment ce qu'on peut observer sur le côté, c'est que les joueurs américains mettent vraiment beaucoup de verticalité dans leurs déplacements, et puis sur des contre-cuts puissants, c'est ce qui nous manque un peu. Nous, on a des déplacements qui sont encore un peu trop dans la largeur, mais c'est dû aussi au niveau technique des Américains. Tous les joueurs sont capables de lancer en profondeur, c'est peut-être un petit peu moins le cas chez nous, on ose peut-être encore un peu moins, on n'est peut-être pas suffisamment réglé techniquement pour tout ça. Allez, c'est parti, le prochain point, les Américains qui lancent le disque. Le pool assez tendu qui va très vite dans les mains de Malvin Schmitt. Les Français qui peuvent avancer très vite sur la première passe. Allez, c'est les Américains qui reproposent une zone. Zone, mais je crois qu'il y a... Non, ça y est. Kay s'est pris un individuel. Non, ouais. Donc il a libéré l'espace parce que justement il était pris en indive. Et ça nous permet de dérouler le jeu tranquillement. Les Français qui essayent de... faire dérouler le jeu. Malvin Schmitt avec le disque. Caïs, mets-toi sur un côté, Caïs, carrément. Voilà. Malvin Schmitt avec le disque. Comme vous avez pu l'entendre, Ludo qui donnait des consignes à Caïs. Joseph est tout seul en zone. Il le voit pas, ça fait 5 minutes que Joseph est tout seul en zone, malheureusement. Ah, c'est trop tard, c'est vraiment dommage. Joseph était joué en zone. Allez, Je me suis permis un petit commentaire. Un petit coaching parce que Caïs s'était mis en plein milieu du terrain. S'il avait amené son joueur sur un côté, Joseph s'est retrouvé tout seul en zone pendant 3-4 minutes, mais malheureusement, c'est pas pour toi, j'exagère. Oh, c'est pas grave. Une petite quinzaine de secondes. Attention, c'est plein de défendu. Défendu. Alors, je pense qu'il y aura turnover, même s'il y a faute. Il y a faute, ouais, voilà, turnover. Turnover, dommage, c'est bien dommage parce que. Il y avait la solution là sur cette zone américaine. Allez, il faut repartir en défense. Allez, Malvin, c'est parti. Et oui, c'est parti à l'américaine qui glisse. Allez, joue, ça joue. Bien joué. Ça joue avec Kanda. Dommage. Quentin a pas osé. Ça revient tout seul. Léo est tout seul. Bon, Léo. Arthur. Léo sur Arthur Abreto qui est tout seul. Sur Mathéo en zone. Point. Point. Point de nos Français. 13, 11. Et ben voilà une belle contre-attaque. Voilà. Ça va vite. Et ça met en difficulté les Américains. 13 à 11 pour les Américains. Les Français toujours au coude à coude. On ne lâche rien du côté français. Là, on va revoir. Ici, Arthur qui se retrouve. Le cache d'Arthur. Qui était encerclé par deux Américains, mais qui catch tout de même. Et là, la passe... un peu trop haute et on voit au duel Matteo est bien défendu par l'Américain, le contact entre les deux joueurs qui vont au duel, mais là on voit le jeu fluide des Français qui ont réussi à se trouver super bien pour retrouver Matteo Coutinho. Là, ce qui est super, c'est la vitesse d'exécution des Français. Après, à peine ils ont réceptionné qu'ils sont en capacité de lancer vers l'avant. Ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et là, le Français là, qui est massé sous les toiles de tente. Ça crie, ça fait du bruit en second plan. Sur Oka, c'est une petite pause. Allez, les Français en défense. Franchement, le match là pour les Français, il est fait. Maintenant, c'est l'exploit qu'on va aller chercher. Exactement, les Français qui arrivent à très bien jouer leur jeu face aux Américains. Les Français qui se battent jusqu'au bout. Attention au fond, c'est parti. Elle est magnifique, mais Melvin va réussir à défendre. Ah oui, et la défense de Melvin Brichet. La défense de Melvin Brichet, très belle défense de Melvin Brichet qui va sauter plus haut. Et non,
C'est l'Américain qui n'arrive pas du tout à le catcher. Mais belle pression. Malvin était au duel et il met une telle pression que l'Américain n'arrive pas du tout à le catcher. On ne sait pas s'il le touche, le disque ou pas. Peu importe. Le frisbee, il est récupéré. Et récupéré par l'équipe de France. On a le frisbee en main pour le 12e. Allez, Hugo. Ça poach, le numéro 27 poach. En plein milieu du terrain, il faut réussir à le libérer. Hugo qui trouve pas de solution, pique à plaie. Ça va sans doute. Léna, un peu d'air. Ça va permettre à Hugo peut-être de souffler un peu et d'essayer de trouver une solution avec ses coéquipiers français. Et non, il ne la trouve pas, le disque va tomber. Quel dommage, alors que le disque américain était tombé. Et les Américains qui punissent. Ah, c'est dommage, on n'a pas profité de l'imprécision du jeu américain là, sur le lancer long. L'appel était encore très très menaçant, mais quand Melvin avait réussi à faire l'effort pour gêner son adversaire, et puis malheureusement, regardez encore cette belle action ralentie, beau dive de Melvin, mais malheureusement manque d'imprécision sur la relance là. Ah, le frisbee qui est trop bas dès le départ et puis Melvin qui fait l'effort mais c'est trop tard. Et donc là on voit petite action classique, hein, give and go tout de suite. Ça joue très vite du côté américain. Voilà. Et puis ça enchaîne en zone après directement. Voilà. Ça c'est très dur à 14-11. Défendre. Et... On rappelle, hein, la fin du match, ça fera 15 quoi qu'il se passe, puisqu'on n'est qu'à 84 minutes. Ça veut dire aussi que malgré les conditions, le niveau de jeu il est fort, hein, puisqu'on arrive à marquer 25 points en 85 minutes. Donc voilà. Allez, notre ligne d'attaque, on retrouve évidemment Melvin et Chris Mauburner. On va voir si les Américains nous proposent encore une zone avec une indive sur Chris. Dans ce cas-là, on l'invitera Chris à venir en middle sur un côté pour pas occuper trop d'espace. Allez, nos Américains qui... revoient tactiquement ce qu'ils vont faire sur la défense. Et c'est parti, le poulet lancé. Et il va arriver dans les 20 de Malvin Schmitt. Et ce sera pour Arthur, du côté gauche du terrain. On va retrouver Matteo Coutinho. Connexion RFO. Hein, avec du jeu très rapide. Très, très efficace pendant tout le tournoi. Un peu, petite dédicace à Raphaël Matteo aussi qui a formé tous ces jeunes là. Parce que franchement. Vous allez voir en fils. Non. C'est la même chose, mais ils ont été très forts pendant tout le temps. Ah, une petite erreur. Petite erreur de Joseph qui va laisser. Qui va lui. Le CDS qui va lui glisser des mains. Allez, les Français qui vont devoir défendre. Mais attention. Qui vont devoir défendre et. Non. Oh non. Vous pouvez lancer. Oui. Super. Joseph qui se rattrape et s'est défendu. Oh là 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 là, alors que nous avions cru que c'était la fin du match. Mais non, non, les Français restent dans ce match. 14-11. Les Français qui sont à l'attaque. Matteo Coutinho avec le disque. Super. Super le high release pour Melvin Brichet. Encore Melvin qui tentait le break. Et non, il va trouver. Il y a Léo qui est tout seul. Il doit se démarquer, Léo, là, il est tout seul en plein milieu du terrain. C'est un peu tard. Attention là, on commence à fatiguer. Caïs Maté qui va retrouver Léo. Léo qui va retrouver Caïs. Caïs avec Matteo Coutinho. On va retrouver Arthur. Encore un Arthur à release pour Melvin. Qui va retrouver Léo. Ça... Léo qui pour le moment arrive à bien se démarquer. C'est pour Melvin Schmitt. Allez, Matteo qui va sortir du stack, qui réceptionne le frisbee. Ok, on arrive à bien jouer sur ce point-là, sur l'ouvert. On voit Kaïs qui glisse, là, le terrain commence à être vraiment, vraiment glissant. Pas évident de faire des contre-appuis, pique à plaie. Ah, pique à plaie. Le disque qui va revenir à Matteo Coutinho. Allez.
On est monté là au cardio là, je peux vous dire qu'il y a une grosse intensité sur le terrain malgré le temps de jeu là, les garçons commencent à être fatigués mais voilà guys, ce petit please. Guys guys ce petit temps mort hein. C'est pas bien. Malvin Schmitt avec le 10 qui va retrouver Mathieu du côté droit. Encore vraiment des belles jambes là. Hein. Et une et super passe en zone. Ah non, intercepté par les Américains. Belle lecture des Américains. Attention au jeu long. On s'est défendu. Allez Melvin. Ah dommage, Melvin qui. Qui avait anticipé cette passe, mais malheureusement, la part est insertée. Attention au jeu profond. Oh là là, il est tout seul. Non, bien joué. Kaïs a réussi à protéger cette longue. Et du coup, il y a un décalage qui est possible. Facile. Allez, les Français qui continuent à mettre la pression. Oui. Oh. Oui, oui, oui. Et oui. Et c'est pour nous, ça. Ok, il s'est pas osé jouer. Il va jouer en zone directement. Il va jouer en zone. C'est plein dans ses points. Oh. Ah, non. Il regardait pas, malheureusement. Il n'y a pas eu de connexion visuelle entre les deux, mais c'est vrai que l'espace, la Caïs, c'était le jeu. Et je crois que Melvin Brichet s'est blessé. Il demande à sortir. Ok, il est remplacé par Quentin Péchard. Ah, les Français qui avaient l'occasion de revenir à 14-12. Les Français qui vont devoir encore se déployer en défense. On les voit, ils sont tous derrière, mais prêts à jaillir vers les cuts intérieurs. C'est assez logique de protéger le fond hein, quand on voit la course des Américains. Allez, Quentin, il faut passer devant. Malheureusement, sur la puissance physique, ce numéro 1, là, il est vraiment très fort. Allez, les Français qui continuent de mettre pression sur leur vis-à-vis américain. Bien retour dans l'ouvert. Les Français font les efforts. Allez, allez, allez. Hop, hop, hop. Je peux vous dire qu'il y a une grosse intensité. Il y a des contacts provoqués dans tous les sens. Ça cherche devant. Attention au genou. Non, bien protégé par Arthur. Et bien sûr, il a libéré la course vers l'avant. Ça continue, l'anglais. Ça continue. Et le disque est tombé. Turnover. Incroyable. Incroyable. Le disque est rendu par les Américains. Oh là là, ce point avec beaucoup de turn. Ça va repartir avec Arthur derrière. Et Tomor. Tomor. Bien joué. Bien pris par Arthur. Alors que sur ce point, beaucoup de turnovers ont eu lieu. Les conditions sont pas simples. Là, ça y est, il pleut un peu moins, mais le terrain est devenu vraiment glissant. Le frisbee doit être aussi glissant. Donc c'est pas forcément facile de développer un jeu. On a assisté quand même à une belle partie. Là, on revoit le disque un peu trop haut et Joseph qui va sauter plus haut que son vis-à-vis américain pour aller le chercher. Là, on voit le high release de Matteo trouvé sur Melvin Brichet. Matteo, ça fait plaisir. Hein. Je trouve que pendant la compétition, il a pris confiance en lui. Il a un fort potentiel maintenant. Il arrive à se lâcher encore plus. Exactement, ça a été difficile pour lui sur certains matchs ou peut-être le stress des gros matchs. Je revois encore le match contre les Américains où il a eu du mal à se déployer. On voit là la défense de Melvin Brichet finalement. Le dive lancé sur l'Américain. Et là, Caïs qui l'envoie sur Melvin Brichet qui ne s'y attendait pas. Et donc qui est un peu court. C'est juste une mauvaise connexion. Mauvaise connexion entre les deux joueurs, c'est dommage. Et là, on voit le drop de l'Américain qui se voyait faire la passe juste après. Et là, l'erreur classique. Right now. He's gonna have to bid. Oh, just a football. Huge layout block. Unbelievable stuff on the front corner of the end zone. Maybe wow. Just that boost of energy they needed. And a great grab there from Spear. Hein ? Allez, on revient. Le Thomas est terminé. Arthur Abreto avec le disque. Qui va retrouver Caïs ? Donc les Français. Voilà, les Français, on a très peu de propositions au gelon. On fait que venir vers le frisbee. Évidemment, les Américains, ils nous attendent là-dessus. Ils sont prêts à prendre. Ah, et puis ça tombe. Et les Américains qui vont se retrouver devant notre zone.
Et là, ça fait mal, il va falloir faire les efforts pour pas... Ouais, superbe ça. Et là, et c'est marqué. Et les Américains, qui sont donc champions du monde U20 Open face à la France, qui n'a pas démérité sur ce match. Donc Yaya, on est quand même vice-champion du monde. Les Français. Juniors, c'est quand même une première, c'est historique. C'est historique, les Bravo, Français ouais, tout même vice-champion du monde. Ils ont fait un super parcours. Et franchement, c'est une génération qui est quand même triple championne d'Europe pour certains. Ils arrivent là, boum, premier, deuxième ou premier championnat du monde. Ils ont déjà fait pour certains une médaille de bronze au Canada il y a deux ans. Il y a trois ans, pardon. Et puis là, ils arrivent vice-champion du monde avec un parcours où ils battent, on le rappelle, hein, Italie, Colombie, Canada quand même. Donc c'est pas n'importe quoi. La place, elle est amplement méritée. 15-11 en finale, ils ont opposé. Ils ont permis une belle opposition aux Américains. Ils ont proposé une belle opposition aux Américains, surtout que on le voit, la marche. Et encore un peu haute, mais on voit que la France, les titille, on n'est pas loin derrière ces Américains. On leur a fait peur, on leur a mis une pression, mais ça n'a pas été assez. Les Américains qui sont encore devant nous, dommage. 15-11, on revoit ces belles actions là sur ce match, sur ce dernier point. Et puis là, les Américains, on leur laisse le disque devant la zone. Là, il y a l'Américain qui... Enfin, vous allez voir, le numéro 1, il va provoquer un petit jeu vers l'arrière. Et hop, tout de suite, il va gicler vers l'avant. Top. Voilà, hop, voilà le décalage et c'est fini. Exactement. Et là, on revoit là, l'Américain c'est numéro 1. Il faut observer les qualités d'appui de l'Américain. Il va proposer, si vous l'observez... Là, regarde, observez-le. Hop. Hop, et hop, il gicle tout de suite devant et là, c'est fini. Léo, il doit pas aller jeter vers l'avant. Voilà. Il doit rester, il doit tant pis. La passe vers l'arrière. Exactement, la passe vers l'arrière aurait été... nettement mieux pour la défense. Pour la défense. Et on voit nos supporters français qui sont là pour applaudir aussi ce beau match. Franchement, cette génération-là, elle est vraiment, vraiment forte. On n'a plus qu'à attendre à voir ce que ça va donner en adulte maintenant. Ils commencent à venir sur les différents stages des équipes de France. On rappelle, là, puisque vous nous écoutez, qu'il y a eu un formulaire de lancer. Allez vous inscrire pour venir postuler pour l'équipe de France pour les championnats d'Europe. Ce sera fait, Ludo. Yaya rigole parce que moi j'encadre l'équipe de France Open, mais il faut rappeler aussi qu'il y a l'équipe de France féminine et qu'il y a l'équipe de France mixte. Nos juniors vont venir postuler, j'espère, et puis on va lâcher le micro parce que les Américains vont venir se faire interviewer. Donc il y a Milan du Petit TV qui nous demande le micro. On vous souhaite un bon temps de repos et puis on se retrouve pour le match des U20 féminins. D'ici quelques instants. Quelques instants. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Milan. Thank you very much, Benji. First of all, congratulations for winning. So, my first question is, how would you describe your emotions right now? In just one word. We got time. You want to go first? Yeah. All right. So, first of all, congratulations on that win. What a game. My first question, how would you describe your emotions in just one word? Fantastic. Yeah, ecstatic. All right, that is some big emotions right here. I get that after winning a World Junior Ultimate Championship. I know you faced France before and it was a bit more decisive on your end. What did you adjust and what did you think France adjusted after your first meeting? I missed the first meeting. I was feeling a little sick. But on our side, we really focused this time on playing for each other. We're really trying to do this for each other, all the work we put in. I think tactically for France, their zone was a new challenge for us to face. Their O-line was really patient and swinging the disc, and that just made our D-line work hard, but the pressure built and we got some breaks. O-line converted. Yeah, I think their energy was great. They won the energy battle in the first couple points of the game, and it showed. And we had to respond to that and come out with more energy, but that's a hell of a team. They put up an incredible fight, and I would love to play that team again right now. I think all of us would love to see that, but it's on to the women's now. So besides, winning this tournament, what would you say is your highlight of the week? It can be a game thing, or besides off the pitches, anything.
Getting to know people from across the country who I've competed against and playing with them on a national team, really the thing I'll take away is the bonds I build with my teammates. We've been really intentional about creating community and positive team culture, and the lessons I've learned from that and the friendships, loving friendships that I've built, I'll carry with me. Yeah, absolutely. I feel the same way. Coming in, I thought it was, you know, almost unbelievable that we would be able to create this kind of experience with just like 2 weeks basically together, and like I love all those guys over there. I'm so excited to go celebrate with them. Like, this is an amazing team, and I'm so happy and we're so lucky we got to do this. Thank you so much. Congratulations again. I hope you celebrate well tonight. You have really deserved that, and thank you for joining me, and good luck for all the rest of your careers. Thank you so much. Back to you in the booth, Benji. The ultimate things in life are free, and we're keeping it that way. Subscribe to keep up the latest games, tournaments, and community content. Share it with your team and friends, and drop a like to help spread Ultimate to more people. Spread the word, spread the love. Ultimate TV. We are a group of Ultimate players, coaches, and video enthusiasts. We've worked with the major federations and the greatest events. We're on a mission to make Ultimate huge. We want our videos and live streams to be free to watch. We want to make stories that not only reach you, but also reach people outside the Ultimate community. Like and subscribe, Ultimate TV, the best in the world. Become a member and fund our work to cover more events in the future and to bring more stories and live coverage to the eyes of the Ultimate world and beyond. Always on the move? You can keep up to date with UltiTV on all of our social media channels. Like, follow, subscribe, share us with a friend, or send us a message just to say hey. Thank you for supporting us in our mission to grow Ultimate everywhere. Right now, he's gonna have to bid. Just a football! Huge layout block, unbelievable stuff on the front corner of the end zone. Maybe just that boost of energy they needed. A huge swing pass and a great grab there from Spear. Thank you.
ulti.tv.